Et salut tout le monde, ici Blumen. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleures applications pour faire du montage sur depuis votre téléphone. Alors, la première application, c'est Adobe Clip. C'est une application qui est gratuite. Voilà, on peut voir depuis l'App Store. Je m'excuse pour la connexion internet qui n'est vraiment pas top. Voilà, l'application Adobe Premiere Clip est gratuite. Après, on va l'ouvrir pour tester l'application. Par exemple, ici, il y a un petit montage que j'ai fait pour ma dernière vidéo. Ici, on peut voir les réglages de l'audio. On peut désactiver l'audio ou augmenter le volume et blablabla. On peut aussi augmenter la rapidité. Et tout ce qu'on veut et dupliquer le clip par exemple, on fait comme ça duplique le clip, on change des trucs, des couleurs, tout. C'est vraiment une application très simple à utiliser et elle est très sympa. En plus, elle est gratuite. Et pour la deuxième application, et c'est l'application iMovie. C'est une application créée par Apple et vraiment est très 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 sympa. C'est ma préférée et c'est avec elle que je fais tous mes clips. Mais il y a un petit truc, l'application iMovie est payante. On peut le voir sur l'App Store. Ça charge. Et voilà, l'application iMovie est payante. Elle coûte à peu près 7 $. Et pour avoir cette application gratuite, je vous invite à voir ma dernière vidéo pour installer l'application VeChat. Cette application consiste à vous aider pour avoir tout ce que vous voulez gratuit dans l'App Store. Déjà, il y a tous les détails dans ma dernière vidéo. Ici, on attend que ça charge. On fait les petits trucs. On cherche iMovie. Voilà, on cherche. Et l'application, on peut la télécharger gratuitement sur votre téléphone. Déjà, c'est comme ça que je l'ai installé. Moi aussi. Oh. Voilà. L'application, voilà iMovie, vous l'installez ici. Et ça vous met l'application dans Springboard. Ici, on va tester l'application. Par exemple, c'est ma dernière vidéo que j'ai mis sur YouTube. Voilà, on peut faire agrandir les pistes et les faire plus petites. C'est très sympa. Le truc qui est très génial sur cette application, c'est qu'on peut ajouter des pistes audio. Par exemple, si vous n'aimez pas ce que vous avez fait sur votre vidéo, vous enlevez le son ici. C'est comme ce que je fais toujours. Et vous faites comme ça, vous ajoutez une piste audio. C'est vraiment très simple et très rapide et très pratique. On peut aussi modifier les vidéos, ajouter de la rapidité et des trucs. Ici, on peut changer comment passer de vidéo en vidéo, comme ça. On peut mettre aucun, si vous voulez. C'est pas très beau comme ça, du fondu. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors, je vous invite à vous abonner et à de liker cette vidéo. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de mon ami Geekmode TV. Et il joue un peu de Garry's Mod. J'espère que vous allez apprécier. Et ciao tout le monde.